Yo tout le monde, ici c'est Nightmare, ou la maison du jeu vidéo, c'est comme vous préférez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, yo tout le monde, ici c'est Nightmare, ou la maison du jeu vidéo, c'est comme vous préférez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon défi number 2. Alors, avant toute chose, avant de vous expliquer c'était quoi le défi, tout ce qui s'est passé et tout, sur ma chaîne, tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on a le temps. Alors déjà, je dois dire un grand merci à Mr. Daynox Official HD ou Mr. Daynox HD Official, je ne sais pas. Il va, je pense, très certainement commenter la vidéo. Donc vous allez vous abonner à cette chaîne, vous allez vous créer encore un nouveau compte pour vous abonner encore à cette chaîne. Alors bon, là, bon voilà, donc un grand merci à cette personne, bon. On va y revenir parce que en fait il y a eu quelques modifications à propos du défi. Alors déjà bon, il m'a lancé ce défi, c'était de marquer 5 buts de la tête sur FIFA. Alors moi j'étais pas contre, mais moi je pensais qu'au début ça allait pas être si compliqué que ça. Mais en fait c'est très 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 compliqué. Donc du coup problématique, c'est si je n'y arrivais pas, je me suis dit je vais pas y arriver. Enfin, quand j'ai commencé à jouer, j'ai mis 3 heures à jouer, j'y suis pas arrivé. Ah, donc, et puis ça m'énervait, je prenais pas trop de plaisir à faire ça en fait, parce que c'était très compliqué et tout. À la limite, si c'était avec un défi que je me lançais avec un pote, c'était facile, enfin pas facile, mais pas plus facile, mais c'était plus marrant quoi, parce qu'on pouvait déconner. Alors que là, bah voilà quoi, là c'est pas pareil. Bon bah voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai réussi ce défi. Je vous spoil la gueule. Non, j'ai réussi ce défi, bon évidemment j'ai changé le défi. En fait il m'avait dit marquer 5 buts de la tête, et moi en fait j'ai le changé, parce qu'en plus c'était un défi que j'avais longtemps en tête. Mais c'est lui qui a lancé l'idée de faire un défi sur FIFA. Il aurait pu lancer un défi sur Call of Duty, sur Watch Dogs, ou sur Killzone, enfin sur plein d'autres jeux hein. C'est voilà quoi, accessoirement. Et je dois dire que je... Voilà, donc je te remercie encore une fois, et puis ceux qui me regardent, bah, abonnez-vous à sa chaîne et partagez ses vidéos. Voilà. Alors, bon, tout ça c'est fait. Alors ensuite, pour vous expliquer les modifications. Alors j'ai apporté des modifications à ce défi. En gros, ce défi, c'est plus marquer 5 buts de la tête, c'est de jouer face à... de jouer en mode légende. Dont, vous pouvez me croire, car vous avez vu en début de vidéo que je joue en mode légende, et si vous ne me croyez pas, bah, vous n'avez qu'à revenir au début de la vidéo, vous verrez bien. Même si on le voit pas très très longtemps, on le voit. Une fois j'avais réussi à gagner, enfin à réussir ce défi, mais malheureusement ça c'était pas j'avais oublié d'afficher que je joue en mode légende. Donc je me dis merde, les gens ils vont jamais me croire, ça va jamais marcher, si je le mets en ligne tout le monde va dire ouais mais de toute façon tu l'as pas, c'est même pas vrai, c'était pas en légende. Bon, même si la difficulté quand même, ça se voit quand même que c'est en mode légende. Là c'est PSG Marseille, j'ai voulu faire PSG Marseille parce que c'était marrant, pas un vieux PSG OM, ça c'est plutôt sympa quoi. Alors vous allez dire ouais mais ça vaut pas du tout. Alors figurez-vous que quand même, quand tu joues en mode légende, que tu joues face à n'importe quelle équipe, je peux te dire que c'est très 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 dur, mais vraiment super dur. Et Marseille en ce moment ils sont plutôt forts hein. C'est pas des grosses brelles non plus hein. Puis Paris c'est pas la meilleure équipe du jeu, c'est une bonne équipe, voilà. Donc je pense que j'ai respecté le défi en fait que j'ai modifié, voilà. Mais je l'ai juste modifié hein. C'est pas moi qui l'ai inventé hein. Sinon c'est pas drôle. C'est Mr. Daynox, Mr. Daynox, j'espère que ça te dérange pas si je te dis Mr. Daynox au lieu de Mr. Daynox HD officiel. Parce que bon, donc c'est Mr. Daynox qui m'a lancé cette idée de défi. Donc voilà, donc c'est pas du, ça vient pas du tout de moi cette idée de défi. Enfin, ça vient de moi, l'idée où je voulais faire un défi. Mais là j'ai eu chaud au cul hein. Oui, il y a là vraiment, vous allez voir que durant cette vidéo, j'ai stressé pendant tout le long, mais j'ai gardé mon sang-froid, c'est-à-dire j'ai continué à stresser tout au bout, mais finalement je m'en suis sorti et c'est le plus important. Et je pense que je m'en suis bien sorti et que j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait une bonne partie. Alors dites-vous que j'ai mis 2 jours à réaliser ce défi. Alors je me suis dit, si je fais ça, je mettrai pas de vidéo en ligne mercredi. Alors je me suis dit non, finalement j'ai mis une vidéo en ligne qui était la démo de PES 2015 sur PS4. Enfin, je précise bien sur PS4.
Alors il y avait juste un truc, un petit problème. Enfin, c'est juste que j'ai eu un pouce rouge sur cette vidéo. Alors je ne sais pas à qui a mis ce pouce rouge. Mais bon, tout le monde a le droit de mettre des pouces rouges ou des pouces bleus, hein, c'est comme vous voulez, hein. Mais je ne sais pas qui c'est, et bon, j'espère que c'est pas toi, Daynox, Mister Daynox, parce que ça me ferait. Bon, les mal au cœur, j'exagère, mais ça me ferait quoi? Ça me ferait. Ça m'a pas fait trop plaisir de me réveiller le matin et me voir qu'en fait, ah oh, merde, j'ai eu un pouce rouge, j'ai même pas de pouce bleu. C'est-à-dire que 0% des gens aiment ma vidéo, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais j'espère que c'est pas toi, parce que c'est vrai que j'étais un peu énervé durant la vidéo. Alors, là, je dois m'expliquer là-dessus, et j'en suis. Vous avez toutes mes excuses durant cette vidéo. Bon, je dis pas qu'elle est mal réalisée, parce que je vous ai. C'est juste que j'étais énervé, mais sinon, j'ai dit des choses. J'ai dit des choses intéressantes, hein, ça faut pas. Voilà quoi, c'est. J'ai dit des choses intéressantes. Après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, parce que là, au moment où je fais la vidéo, j'ai reçu une invitation. Bah, de toute façon, je pourrais pas y aller, je suis en train de vous faire la vidéo là. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, parfait, hein. Voilà, donc, non, je disais, ça m'a perturbé ça. Donc, PES, je dois m'excuser évidemment pour ce que j'ai fait. Parce que toute la journée, en fait, j'avais, si vous voulez, j'avais réalisé un. Essayé de réaliser le défi, mais j'y suis pas arrivé, donc ça m'a énormément énervé. Je crois que je vous l'ai un peu dit, je crois, dans ma vidéo PES 2015. Je sais pas, je l'ai pas revu, hein, totalement, mais c'est vrai que j'étais très énervé durant cette vidéo et vous m'envoyez navré. Mais je pense que voilà quoi, c'est pas une. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, j'étais énervé, mais je pensais pas. S'il y a des choses que j'ai dit sur Dynox, genre tu m'as poussé à faire la vidéo défi. Bah trop tôt, bah je suis désolé parce qu'en fait c'est pas vrai, hein, tu m'as juste laissé un commentaire. C'est juste que j'étais énervé. Je suis très influençable, certes, mais je m'énerve très facilement aussi. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire ça, voilà. Alors par contre là il y a ce mec qui me harcèle depuis tout à l'heure. Qui arrête pas de m'inviter là. Bon, je vais essayer de répondre à son invitation, mais j'ai pas trop accès à internet là. C'est pas le meilleur du monde. Alors, vous voyez que là, on est juste avant la mi-temps. Je marque un but avec Verratti. Je me sens totalement en confiance. Mais alors, totalement. Je suis aux anges. Je me dis, allez, 2-0, j'ai une bonne avance. Mais figurez-vous, j'avais fait un match énormissime. J'avais fait Bayern de Munich, Chelsea, un moment, en première mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, je marque deux buts presque d'affilée, c'est-à-dire. Allez, même pas allez, avec 5 minutes d'écart, on va dire. J'étais trop content et je me suis fait remonter 3-2. Donc ça en une mi-temps, et ça m'a tué quoi. Enfin même pas, c'était la 50e minute, voilà quoi. En 40 minutes, bah, je me suis fait remonter. Donc voilà, et parce que j'avais stressé et que j'y allais trop. Donc là, je me suis dit, je me fais mener 2-0. Faut pas que je stresse. Faut que je quand même que j'y aille. Pas en mode cool et que j'aille très sérieusement encore une fois, mais défensivement, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrête d'attaquer vraiment sérieusement. Alors vous allez voir, regardez ça. Ce but que je me suis pris dans la face, vous pouvez pas imaginer à quel point il m'a fait mal, hein, parce que vraiment, j'ai rien compris à ce but. Je vous propose de revenir en arrière, de voir l'action de un tout petit peu avant qu'il soit dans mon camp, et je vous promets. Vous allez voir, revoir les vidéos, parce que là, vous voyez une vidéo où je joue bien et l'équipe adverse joue très bien. Et bien, c'est en regardant ce genre de vidéo que vous allez devenir fort à FIFA. Ça, je dis pas que c'est en me regardant moi que vous allez devenir des maîtres. Hein. Non, c'est en regardant surtout l'adversaire parce que c'est style de jeu de l'ordinateur, mais vous allez pas me piquer mon style de jeu, voilà quoi. Alors, regardez cette faute énormissime que l'arbitre n'a pas sifflé. Ce connard, moi j'allais dire un truc plus vulgaire encore. Ouh là là, le méchant! Non, je déconne, mais voilà quoi. Donc, du coup, c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas grave. Donc, aussi, bon, voilà. Donc, je vous ai raconté toute l'histoire de PES et tout ça. Pas de problème et tout. Alors sinon, vous avez vu mon intro super classe. Et ben ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. Ça, vous inquiétez pas, c'était avec Cher Factory. Hein. Ça, faut pas. Vous inquiétez. Alors, bah j'aurais peut-être pas le temps de vous la foutre en ligne jeudi. Parce que là où je vous la fais, on est jeudi soir et j'ai pas tellement le droit en fait de jouer à la console. Donc du coup, je ne sais pas quand je vais pouvoir vous la. Si vous l'avez jeudi soir, mais vous l'aurez très tard dans la soirée. Ça c'est sûr. Mais moi je dois pas me coucher trop tard. Mais à mon avis, ça va être trop chaud pour vous la foutre. Non, ça va être techniquement impossible. Enfin, remarque, il est quelle heure là? Il est 19h35, c'est vrai que je m'y étais pris beaucoup plus tard.
Non, ça devrait être possible, hein. Normalement, L'adversaire perd le ballon. ouais, ça va être trop juste, je Encore pense, une parce fois. qu'il faudrait vraiment qu'elle mette pas trop longtemps à se mettre en ligne. Elle dure, allez, 14 Non, il minutes, faut qu'elle marque. voilà quoi. C'est, non, 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 ça va être trop dur de vous la mettre en ligne, je L'intercepte. pense. Bien Bah, anticipé. on verra combien de temps ça va durer. De toute façon, je pourrais attendre, Gignac. hein, j'ai. C'est vrai que je manque un peu de sommeil en ce Qui contrôle ce moment, c'est centre. peut-être pour ça que je suis un peu sur les nerfs et Verdi. tout. Et la Mais en faute tout cas, je suis super parisienne. content d'avoir réalisé ce Ah. défi. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de l'avoir réalisé ce défi. Quand j'ai gagné, j'étais en mode waouh sur ma télé, mais pour me prenez pour des tarés. Enfin non, Penalty. parce que je peux pas dire ça parce que mes parents ils sont censés. Enfin, je suis pas censé jouer à la Opération console le Petit Bon soir. Contrôle. Mais bon, ça fait mal à personne, hein. C'est Écoutez, contré. voilà. Apparemment, ils s'en foutent. Ballon Bon de bref, je vais pas vous raconter ma l'adversaire. vie plus longtemps. Donc sinon, une autre personne a partagé et a commenté ma vidéo PS4 vs Balotelli. Xbox One. Elle est Balotelli presque à qui remet 800 bien vues sur cette et je vous remercie de interception. cette, bah, Alors, cette Balotelli. performance en fait. Ça me fait extrêmement Gignac. plaisir bah, que cette vidéo va peut-être atteindre les 1000 vues dans, bah, dans pas longtemps, hein. Mario Si Lemina. on, si on avance comme ça, elle atteindra les 1000 vues, mais dans, dans pas Maria. longtemps, hein. Et ça va vraiment être mais super chouette, quoi. Les vues arrêtent pas d'augmenter tous Rabiot les buté sur la jours. J'ai l'impression que ma défense. vidéo PES 2015 aussi va bien augmenter. Enfin voilà. Et ça, c'est Balotelli surtout sur cette interception. grâce à Daynox Encore. 1900. Oula, qu'est-ce que je raconte? Rebondissement. Mister Daynox, Balotelli sur c'est cette frappe surtout qui vient grâce à lui percuter le mur. qui Sylvain s'est abonné. Tavares. Qui a partagé souvent mes vidéos, qui a proposé le défi. Voilà, il est très actif sur ma chaîne. C'est un abonné très très bah, très réglo, très bah, super quoi. Bonne intervention qui Un rebondit abonné et parfait, on pourrait dire. défenseur dans les Voilà airs. quoi. Du moment. Après, si c'est lui qui a mis un Gignac. pouce rouge, voilà quoi. Je serais un peu déçu. C'est peut-être parce que je l'ai un peu, voilà quoi, un peu, C'est j'allais dire Tavares qui engueulé. repart Pas du du dos tout. sur Je ce l'ai ballon. Oui, bonne un peu sortie. offensé dans ma vidéo PES 2015. Voilà, c'est certainement ça. Nicolas Sinon, je Sauvé. recherche toujours la miniature que je pourrais faire avec ça. Bon, évidemment, ça vous le saurez sur internet. Mais à chaque fois que Olivier je les Faure. publie en ligne, Florian elles, Thauvin. direct, elles n'ont pas la miniature. La miniature, ça, je la mets Gignac. après, hein. Non, pas de soucis. Sur cette Parce que quête, c'est souvent, pas j'ai du Damien. retard Manque de au conviction. miniature. Faut Penser que je à fasse ce du geste. ménage sur ma clé USB parce qu'il y a beaucoup de Et ne documents surtout dessus, pas. Pour sur les exploiter images le que j'ai créées que je CPU. devrais supprimer. Ah oui, aussi. Sans faire exprès, j'ai Mario supprimé Lemina. une vidéo. Bon, c'est pas la vidéo la plus importante du monde, mais c'était Showtime. Attention sur Et cette je l'ai action. supprimée Le sans faire centre exprès en fait. devant. Et Sacha je vais pas Boyfili. la remettre en ligne parce que Peut-être ça n'a un aucun chauffé aussi sens. dans la surface de réparation. Là, Hugo Parce que je Chérin vous sur parle un de ballon trucs très qui s'est passé il cher. y a longtemps. Avec Enfin, il y Zlatan a longtemps, il y a des Ibrahimovic. trucs qui sont passés. Vous allez rien comprendre si c'est une nouvelle vidéo, enfin voilà quoi. Donc c'est pour vous prévenir que j'ai supprimé une vidéo, bon Mario je pense que ça Thauvin. va faire mal à personne, elle a pas tellement fait de succès, je pense qu'elle allait pas faire tellement faire de succès. Ouais je pense que c'est pas si grave parce qu'en fait le montage, comme j'ai pas de Gignac. logiciel maintenant et Oh, que le sur centre l'ordi de a mes été parents je ne peux raté. pas Nicolas Dupont-Aignan. installer un logiciel de Peut-être montage, je un suis passage obligé de le arrière. faire sur YouTube, Sacha Boyfili. avec le petit avec le petit truc de montage assez pourri mais c'est déjà ça quoi. C'est grâce à ça que je Nibali. peux faire faire mon intro plus la truc, mais je peux pas faire de gros Danilo. montages, tout ça. Encore j'ai Shark Factory sur la PS4, mais c'est pas suffisant, si vous voyez ce Alexandre que je veux Blanc. dire quand même, parce Je que peux vous dire que c'est voilà compliqué sur quoi. un tour de Avant vitesse. j'avais oh là là, AVS Balotelli. Vidéo Editor et ça c'est Sacha super pour faire du Boyfili. montage. Ah vous avez vu là? Attention, J'ai fait j'ai Gignac. tellement flippé sur cette action, mais heureusement que cet Gignac abruti de qui perd Marseillais le a ballon là. complètement loupé sa Ballon qui frappe, part sur le parce que tir. sinon, Cette action alors là arrêtée mais en je cours serais de mais seconde. j'aurais été mais Ibrahimovic année qui entière, mais rebondit vraiment pour anéanti. Gignac. C'est bien Alors là vraiment Ibrahimovic. j'aurais pas pu la publier en ligne celle-là. Voilà, donc vous voyez que c'est la fin du match. Mais Marseille a encore beaucoup d'occasions sous la dent. Et vous voyez que là j'ai Mario aussi beaucoup Lemina, beaucoup flippé. l'action qu'il ne fallait pas Je vous gagner. avoue que je suis assez content qu'il n'ait C'est pas dommage, marqué. mais surtout, et c'est pas Voilà. grave, il s'est Donc complètement relevé. c'était très 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 chaud ce match. C'était l'un des matchs les plus chauds que j'ai jamais eu de toute ma vie. Balancé. Vraiment c'était. C'était vraiment super. Bon après le troisième défi viendra je pense dans longtemps. Je suis pas Il pressé pour le cherchait faire, Mario hein, Lemina mais sur ce vraiment pas du centre. tout. Bon, prochaine vidéo, je pense c'est l'épisode 4 du mode extinction. Bon bah voilà, je pense, Et hein. Bon bah l'arbitre voilà, Nicolas cette vidéo est Tavares terminée, les tire. gens, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une Ah, nouvelle le centre vidéo, et ben excellent, moi la je vous dis, enfin on punition se de retrouve ce l'ancien week-end pour une nouvelle Auxerrois vidéo, et moi je vous sur dis, la pénalité. salut les Je n'ai reins! jamais vu un vainqueur dans cette partie.